Il y a des millions d'années, il y a des millions d'années, quand le diable n'était pas né, quand le diable n'était pas né, tous les hommes étaient immortels, mais l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventa la mort. Ce fut une révolution, jusque-là les filles étaient belles, on ne se battait pas pour elles, on ne se battait pas pour elles, jusque-là les hommes étaient forts, mais l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventa la mort. Et l'on vit les cheveux blanchis, et l'on vit les dos se courber, et l'on vit la vie s'envoler, et l'on vit la vie s'envoler, des cœurs, des âmes et des corps, car l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventa la main. Alors lui, le petit malin, devint le dieu, le souverain, il régnait comme un vrai tyran. Sur la pluie et sur le beau temps, sur la pluie et sur le vent du nord, il avait inventé la main. Il avait inventé l'enfer, les voleurs et les assassins, la pneumonie et le cancer, la mettre une à une. D'abord, la vieille lune, et Mars, et Jupiter, et Neptune, et Somme, se sont envolés, trois derniers étoiles, et puis sont revenus tout raconter dans leur cathédrale. Les hommes, après avoir longtemps, longtemps cherché, enfin ont découvert le secret de l'immortalité. Ça oui, fous de joie d'avoir découvert le grand secret de l'univers, ils ont mis leur pupeau aux habits. Et sont partis vers celui qui, et sont partis vers celui qui leur avait inventé la mort. Ils avaient vraiment bonne mine, là-haut dans leur super machine. Mais en arrivant au palais, ils avaient les mains qui tremblaient et le cœur qui battait très fort. Une grande porte s'ouvrit, puis une autre à l'infini, suivirent de longs couloirs. Un huissier en costume noir leur dit, messieurs, vous venez tard. Depuis ce matin à l'aurore, depuis ce matin à l'aurore, Dieu est mort.